Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Metal Gear Solid 2, donc pour l'épisode 13, toujours en compagnie d'Emma Emmerich, donc la fille, pas tout à fait, même si bon la différence d'âge on pourrait le croire, la petite sœur de Otacon, voilà. Donc let's go, ouais mais là elle me suit pas, non? Comment ça se passe? Elle va me suivre si je fais ça ou quoi? Bah non. Merde. Comment je fais? J'avais pas prévu, parce qu'en fait, vu que j'enregistre à la chaîne, enfin à la suite plutôt. Vas-y, grimpe-moi dessus, je sais pas. Comment je fais? Non. Sous ma gueule ou... En fait, elle était sur moi, mais j'ai remonté l'escalier, du coup ça fait planter le truc ou quoi? Si je retourne en arrière. Essayez. Là j'avoue je sais pas. J'espère que j'ai pas foutu le truc en l'air. Non, t'as pas envie. Mais merde, comment je vais faire? Viens sur moi. Ah, elle veut pas. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, mais comment je vais faire? Faut que je lui parle, non? Je sais pas. Ah, ça a pas de sens. Bon, allez, là. Et si je retourne dans l'eau, vraiment, là? Ah, elle me suit pas, quoi. Merde, putain, j'aurais jamais dû remonter les escaliers, quoi. Je sais pas quoi faire, là. Le mec fait des allers-retours. Mais, ouais, je sais pas, enfin... Ouais. Je me mets allongé, carrément. Ok. Bon allez, fais quelque chose. Oh putain. Ah là, je la tue. Je sais pas quoi faire, on va recharger le checkpoint en espérant que... Sans pression, je lui casse le cou. Oh mais non, mais putain, mais sérieux. Non mais sans déconner, enfin, je fais quoi moi? Je sais pas. Écoutez, voilà quoi. Je sais pas quoi faire, quoi. Enfin, la meuf, elle me suit pas. Si je vais de l'autre côté, il va se passer un truc, hein, je sais pas. Parce que là, c'est le bordel, quoi. Je vais essayer, on va voir. Hein. Ça tente rien à rien, comme on dit. Petite ratio au passage. Allez, sans pression, pas d'oxygène, je m'en bats les couilles. On va voir, peut-être que là ils vont me dire quelque chose, mais... Je sais pas, moi, je comprends pas, quoi. J'aime pas trop voir ces bestioles-là, là. Ça me plaît pas trop, ça. Ah, on s'en bat les couilles, en fait. Ok. Bah ouais.
Écoutez, voilà, je sais pas, j'ai fait bugger le jeu, c'est pas possible. Je sais pas quoi dire, là, voilà, je ne comprends pas, c'est quoi ce bordel. What the fuck. Je peux pas retourner dans le menu, c'est ça le problème aussi. Faire un truc exceptionnel, c'était pas prévu au programme, mais on va quitter le jeu et on va relancer parce que je sais pas. À moins qu'il y ait un bouton particulier, mais bon, j'ai essayé, hein. Vu que je sais pas et vu que j'ai pas envie de prendre diplôme non plus pour cette bêtise, on va relancer. En espérant que. Bah, normalement, j'ai sauvegardé. Ah merde, je sais plus en fait. Ouais, bon, en même temps, ils vont pas faire leur pute. Donc, vu que c'est Metal Gear Collection, en fait, j'ai accès aux deux autres Metal Gear qui sont sur la galette, à savoir le 3 et Peace Walker. Je dis ça au passage, comme ça. C'est fait. Donc, j'ai choisi le bon, bien entendu. Et, ouais. Parce que, oui, je crois que je suis sorti de l'eau pour sauvegarder, donc, à moins que. Après, des fois, quand on sauvegarde, ça nous remet une place antérieure. Donc, c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, au début de l'épisode précédent. J'ai dû me retaper le chemin de l'eau, alors que j'avais fait entièrement. Donc, peut-être que là, ça va me faire la même chose, donc ça ira. Mais si c'est pas ça, je suis dans le caca. Là, je peux pas passer, hein. J'appuie sur tous les boutons, il faut que j'attende. Voilà. Load game... En espérant que j'ai pas de soucis, parce que là, on va être dans la merde, sinon. Bon, au pire, je peux recharger une sauvegarde précédente, mais bon... J'ai pas envie de me retaper tout un chemin, ou refaire le truc que j'ai déjà fait. Ça paraît logique. Allez, on croise les doigts. Je le fais réellement. Voilà, c'est bon. Je suis sauvé. C'est vrai qu'elle est en galère d'oxygène assez rapidement, elle. Non, qu'est-ce que tu fais? Bonjour, monsieur le cadavre. Heureusement qu'elle ne l'a pas vu. Bon, elle l'a peut-être senti, on l'a peut-être touché. On dira rien. Vite, vite, vite. Voilà. On est bientôt au bout. Allez, on va essayer de le faire en ligne droite. Normalement, ça devrait. Enfin, j'espère. Voilà. Impec. Allez, viens avec moi. Oh non, t'es sérieuse? Arrête! La meuf, elle dit ça alors qu'elle bouge. Vite, vite, vite! Merde. Remarque, je vais peut-être prendre les munitions. Hop, vite fait. Le mec, il arrête pas de les triper, quoi. Reste ici. Hop, voilà. Tu fais chier, toi, pas aimer les insectes. C'est pas le moment, mais... Y'a des gens à sauver, là. C'est bon. Alors là, du coup... Ah putain, il y a genre, il y a un garde ici. Tac. Au revoir. J'atterre à Maïs, ils vont faire le coup de la radio pour savoir ce qui lui est arrivé.
What? Merde, j'avais pas prévu. La meuf, elle se fait violer, quoi. Parce que ce qui est chiant, c'est qu'on finit par lâcher, donc ça fait perdre du temps. Y'a un mec là. Ta gueule. Cordialement. Je dois l'envoyer. Oh non! Merde. Ah oh bah c'est pas grave, au pire, je vais gagner du temps. On va le prendre comme ça. Normalement, je crois que c'est par là, j'espère. Oh putain, sérieux? Merde. Ouf, c'était chaud. C'était chaud patate, parce que là, je crois qu'on peut pas... Oh non, ça y est, fait chier. On peut pas passer par là. Ah, c'est réveillé, c'est... Elle a pas perdu le temps. Évidemment, il y a un garde ici. Oh putain, ils viennent là. Oh, ils tirent dessus, ces fils de pute. Je m'y attendais pas. Merde, et la caméra? Ah, la caméra. Mais qu'est-ce qui se passe? Putain, la misère. En plus, je peux pas la soigner, j'imagine. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Va crever. Oh putain, encore? Merde. Putain, les gars. Encore? Dégage. Genre. Encore? Non mais il y a un moment stop quoi. Putain, y'en a encore un là en plus. Merde. Je voulais tirer en diagonale mais je suis chié dessus. Genre. Merde. Putain mais sérieux là, laissez-moi. J'étais tranquille sans ennemis. C'est bon? Putain, mais encore? Pff, non, mais bon, sérieux, quoi. Vas-y, ça se passait nickel, et là, ça y est, à 36 milliards d'ennemis. J'aurais pas dû toucher, en fait, au mec qui est sorti de l'ascenseur. Parce que les deux autres, les ont endormis, y a pas eu de radio. Donc c'est vraiment les mecs de l'ascenseur, hop, j'y touche, et ça fout la merde. Donc je vais pas y toucher en fait. Je vais juste les laisser patrouiller, limite. Je vais tenter au pire. Enfin, on va voir ce qu'il fait lui. Et comme ça, bah au moins, j'aurai pas de problème. Par contre... Voilà, ils vont appeler des mecs. Allez! Fais chier, putain. Wow.
What? Même... Non, genre, elle tire même de ce côté-là. Oh, je suis dingue. Je vais crever, donc. Sérieux, les gars, c'est pas cool. Ça va, lui, il vide tout son chargeur. Grenade dans sa gueule. Ah merde. On peut pas la lancer plus loin. Non mais là je m'en sers comme bouclier. What the fuck, ça part en cacahuète. Putain mais elle se met devant en plus. Je peux pas faire comme Ashley Graham dans R4. Hein. Ouais, mais là je vais me retaper 10 000 ennemis encore aussi. C'est quoi encore le problème? Y'en avait un là? Ah non. Pourquoi ça sonne comme si on me découvrait alors que... Laisse tomber quoi. Vas-y, charge la partie. Je pense qu'à partir de maintenant, on va faire un truc tout simple, c'est on va faire une ellipse jusqu'au moment où je vais y arriver. Parce que voilà, ça fait déjà presque 40 minutes qu'on y est, donc on va peut-être se calmer. Là-bas, je peux pas passer, de toute façon, il n'y a pas de gadget, il n'y a rien. Lol, j'y ai passé devant, quoi. C'est n'importe quoi. Bon allez, merci de voir à travers les murs. Putain.
Bon, apparemment, je suis sur la bonne voie, hein, puisque on y arrive là. Donc oui, je pense que j'aurais fait une plus grosse ellipse, hein, parce que j'ai dit à 39 minutes que je couperais, mais là, il y a la moitié de la vidéo, c'est que ça, donc. Par contre, pourquoi il me suit pas là? C'est ça qui est pas normal. Ouais, bon, me saoule, je vais aller voir dehors ce qui se passe. Ça se trouve c'est scripté, je sais pas. Parce que là, elle veut pas me suivre encore. Donc, décidément, j'ai envie de dire, tout pour me faire chier. On va faire une sauvegarde quand même, parce que là, j'ai pas envie de repasser ce passage horrible. Jack, is that... Oui, c'est moi, Jack. C'est personne d'autre. Ah ouais, franchement, cet endroit... Là, c'est vraiment un coup de chance hein, que j'ai réussi. J'ai réussi à faire plein d'headshots au silencieux. Et bon, voilà, quoi. En tout cas, ouais, c'est clair, faut pas les tuer, parce que quand tu les butes, au bout d'un moment, le corps disparaît et ça respawn à l'infini, alors quand tu les endors, au moins t'as un certain nombre qui dort et c'est fini. Jack, how far do you think the Patriot's digital control extends? I don't really know, but it probably influences a lot of what goes on in our everyday lives. Even mundane things like which movies and songs become a hit, and what kind of clothes we wear? I think taste would be the easiest thing to manipulate. I mean, think about the kinds of film and bands everyone wants to go to see. It's whatever's at the top of the charts. And if the charts are made up... Exactly. But you can't really control individual taste. It's too closely tied to personality. I don't know about that. Trends have always been about following the leader. Not necessarily. The age of direct personal interaction is over. So is the idea of word-of-mouth communication. Rose, you have any friends you've met online? Huh? Yeah, I do. How many? Well, if you count only the ones I talk to a lot, I'd say about 20. How many of those have you actually met? One or two tops. Uh-huh. That's how it is for everyone, I guess. And even if your online buddies had fake identities and were circulating false information, you'd have no way of knowing. Fake identities? Right. And there'd be no way for you to know for sure. Well, what about people who do meet face-to-face, then? Like us? Us? Have you ever really shown me the real you? I wouldn't even know the real me myself. But you're being honest with yourself now. Well, that's how I see it. Well, how am I being honest? I've never seen you show so much feeling. Fear, anger, even a kind of giddiness. It may seem a strange thing to say, but you're living out loud for the first time that I've seen. I'm just trying to get the job done. This is war, you know. I do know that. I'm just saying you're different from your usual restrained self. What about you, then? I always want to be open with you as much as I can. Ok, donc petit débat justement sur ce que je disais un petit peu avant le... Attends, je vais faire comment pour la transporter là? Je peux pas. Ouais. Écoutez, je vais passer un petit coup de codec à Snake, parce que j'avoue que... Je sais pas. Raiden, take Emma and go to strut L. There's a ladder down onto the oil fence on the ocean surface from that strut.
L'été L, ouais, ça je m'en rappelle, mais l'été L, c'est celui-là. Comment je peux faire passer Emma ici alors qu'il y a un trou? Ah non, il n'y en a plus, autant pour moi. Je croyais voir le trou, mais non, ils ont mis des plaques au sol. Mais pour ça, il faudrait qu'ils me suivent, quoi. Elle me suit jamais, donc je sais pas pourquoi elle veut pas me suivre, c'est chiant quoi. Même si je l'endors, je vais la déposer avant, je suis sûr. Chelou comme truc. Viens par là où je te bute. Merde. Balle perdue, désolé. C'est encore le coup du carré. Oh putain, y a un mec qui s'est réveillé. Ils se réveillent tous. Oh merde. Non. Chier, putain. C'est pas le moment. Voilà. Oh, allez, connard. Non, y a personne en tout cas. C'est heureusement qu'il est parti. Bon, tu me saoules là, suis-moi toi. Je sais pas quoi lui faire, hein, c'est là pour qu'il me suive. Allez, raclure. Ou je la pousse peut-être en me mettant comme ça. Allez, pousse. Va. Va, je te dis. Ah voilà. Là, je pense qu'elle va être avec moi, elle a pas le choix là. Porte s'est fermée, voilà. Mais arrivé. Là, je vais prendre le PHG, je vais dégommer ces bottes là. Voilà. On a un deuxième. Il doit être en bas, je pense, pour l'instant. Ah, le blanc. Allez, on y va. Bon, du coup, moi je vais enregistrer jusqu'à 1 heure, mais bon, vous aurez à peu près 20 minutes de pas de cinématique, mais 20 minutes de gameplay en moins, je pense. Bon, à peu près 15 minutes, on va dire que ça fera 45 minutes de vidéo. Ce qui sera un peu plus convenable, un peu plus digeste. Allez, on y est presque. Merde. Putain, y a des mecs aussi là. Merde. J'avais pas prévu ça. Tu veux pas t'accroupir, toi? Bon, ça va. Enfin, en espérant qu'il n'y ait pas la radio, mais bon, ça va être chaud aussi. Oh putain, il y a le feu, comme par hasard. Bon, le portable sonne, qu'est-ce qui se passe? Le portable. Oui. Utilise le vaporisateur. Ah oui, bah oui, pas bête. Putain, heureusement qu'il me rappelle ça, mais sinon j'étais baisé. Et oui, ce qui nous a servi à désamorcer les bombes. Genre, ça s'éteint pas définitif ou... Ah bon? J'espère. Ça a l'air. Ça fait des vieilles cendres bizarres, c'est un peu suspect quoi. T'as pas trop envie de marcher dessus. Allez, je peux le faire, j'y suis presque. Là, c'est pareil, je suis sûr qu'elle va me faire chier au niveau de la porte. Ah bah là, au moins, fait dodo, donc comme ça. Ah.
Damn it! What's wrong? This door is security level 5. I don't have card 5. Damn. Giving up already? Ta-da! What the... Are you impressed? You should have told me you had it. Well, the truth is, I just remembered it myself. Ça va nous aider, ça. Je vais reprendre mes rations. Par contre, j'ai plus de... Plus de radar. Oh putain, en plus, il y a des mecs, quoi. Putain, pourquoi j'ai pas de radar, quoi. C'est pas cool, ça. Ça va encore être la galère, ce truc, putain. J'en ai marre de galérer, putain. Surtout que le boss, je l'ai fait à peu près easy, et là, je galère. Ah ouais, pose-toi des interrogations aussi. Allez. Je sais pas c'est quoi ces espèces de moustiques ou de papillons qui virevoltent derrière la lumière. Allez, baisse pas les bras, on y est presque. Voilà. Mademoiselle... Oh merde. Oups. Toi, décidément, elle va en faire des sommes avec moi. Question for you. What is it? How do you feel about heights? I can't say I like heights. The water's higher on my phobia list. Why? Well, we have to go down a ladder. How far down? Just a little bit. Why do I feel like we've had this conversation before? How little is little? About 130 feet. Hmm. Think you can do it? Would you take no for an answer? How are your legs? Better. The numbness is gone. I can climb down on my own. Okay, follow me. Sunset. It's beautiful. If we don't hurry, it'll be the last we see. Enemy soldiers, gun ciphers. I don't think we're gonna be able to slip past all that. Looks like it can barely support one person. How much do you weigh, Emma? Are you gonna ask me how old I am next? If you go alone, I think you can make it across. This is Raiden. Do you read me? Yeah, what's up? We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here.
Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's gonna have to cross it alone. Right. The oil fence. There are ciphers and several guards. Raiden, you're carrying a PSG-1, aren't you? Yeah. It's time to play sniper. Not bad. This spot gives me a good view of the targets. You're going to have to cover Emma until she crosses to Strut E. I'll get there and provide some support of my own. Thanks. Think you can handle it? Yeah, I know the drill. I faced a similar situation in advanced mode level 4 VR training with the PSG-1. VR? Guess it's better than nothing. Make sure you don't hit Emma. Right now, with Arsenal's boarding in progress, security should be at a minimum. That doesn't mean it's going to be easy. Given the situation, they've probably got claymores in place to make up for the security shortage. Make sure you use your thermal goggles. Right. Okay, I'm heading for Strut E. Emma, are you reading me? Loud and clear. I'm gonna clear a path for you from here. How? Sniper fire. You're kidding. Trust me. What if I fall into the sea? I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. Think you can do it? Would you take no for an answer? No. All right, get going. You'll be fine. Alors non, on va se laisser là pour cette vidéo, du coup. On va enregistrer avant. Et donc la prochaine mission, donc, ça sera de couvrir Emma et... Bon, il me semble que c'était pas difficile, mais bon, j'avais fait en mode facile le jeu, donc ça va peut-être pas être aussi simple en normal. Parce qu'apparemment, il y a des histoires de claymores qu'il faut voir avec les lunettes thermiques. Bon, ça va, j'ai des lunettes thermiques. Mais pour les claymores, en fait, de mémoire, je me rappelle pas en avoir eu en mode facile. Je sais pas où elles sont, si elles sont sur la barrière flottante, hein. On verra. Mais bon. Ah, pour une fois qu'elle parle pas beaucoup, elle, ça tombe bien. Bon, en tout cas, j'espère que malgré tout, ça vous a plu. Hein. Vraiment, désolé si je galère comme ça, mais... J'ai essayé plusieurs alternatives, quoi, mais bon, je m'attendais pas à avoir des ennemis illimités en face de moi, quoi. On va dire. Enfin, peut-être que ce passage-là, du coup, vous le verrez pas, mais... J'ai fait plusieurs tentatives pour passer, passage en force, furtif, etc. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, pardon, et je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, à plus !